Et bonjour à tous, c'est Livia. On se retrouve encore sur Maple Story 2 pour un nouveau donjon. Cette fois-ci, ça va être le Sanctum of the Sage. Voilà, c'est parti. Bon, depuis les deux autres donjons que vous avez montrés, j'ai pas vraiment évolué en stuff, hein, toujours pareil. J'ai rien loot vraiment d'exceptionnel qu'on va faire avec, hein. Alors celui-là, il est bien comme donjon. Il faut prendre la petite lumière là en priorité. C'est important. Sinon, on voit que dalle. Voilà, sinon, il faut éviter les petits cercles par terre. Sinon, ça fait bobo. Voilà. Faut les éviter. Bon, on va faire raise là, sans place parce que franchement, on n'est pas arrivé très loin. Franchement, je vais vous avouer là, je ne sais pas comment je fais. Ah! Ah! Ça picote. Oups. Voilà. Et une fois que vous arrivez au bout, une fois que vous avez réussi à éviter, et ben vous pétez le totem et. Pétez le totem et c'est fini. Et vous pouvez passer. Alors là, il va y avoir 4 dessins de pierre. Après, une fois qu'on aura tutoyé. Et faut aller chercher les pierres qu'il y a par terre. Et exactement remettre les mêmes qu'il y a sur les quatre coins. Et ça vous ouvre la porte derrière. Pas très compliqué, hein. Attention, il y a des fois des dessins qui se ressemblent. Et voilà. Alors là, vous avez à chaque fois, c'est un donjon qui est très bien parce que j'aime bien, c'est jamais le même chemin. Hop, on va leur claquer le petit. J'ai toujours ma manette, je sais pas pourquoi elle me fait ça là. C'est assez chiant. Donc une fois que vous avez tué ici, en fait vous pouvez soit aller là-bas, soit aller là-bas, soit prendre une pierre de TP pour aller sur un autre chemin. Et ben voilà, là c'est 11 TP. Voilà, pour foutre ça. Bon, il est pas dur du tout celui-là, franchement, c'est assez easy. Là, en face, vous avez. Attendez, je vais me rapprocher. Vous avez trois cibles. Et en fait, ils projettent un truc et il faut juste les éviter. Sinon, ça fait bobo. Vous montrez, je vais dedans. Ah, trop tard. On verra peut-être au prochain. Et ils éteignent les lumières. Bien évidemment, il y a des moments donnés. C'est pareil, c'est pas. Sont assez intéressants les donjons.
Après, vous pouvez en faire que 10 par jour, donc c'est assez. C'est assez restreint, quoi. Voilà. Il est sympa celui-là, j'aime bien. Oh, lui, pas très très difficile. Hein. Juste faire gaffe au laser, hein, comme sur le truc d'avant. Et il tape assez fort. Il y a une petite AOE. Là, par contre, faut l'éviter au sol parce qu'elle est un peu, elle est un peu chiante. Et il fait pop des petits ZAD. Tout weak. Voilà, faut l'éviter la petite AOE là. Pas rester dedans. Hop, hop. Fait, si j'essaye de DPS, ma manette, elle veut pas. En fait, elle m'a dit, tu joues jusqu'au bout, tu ne DPS point. Ah, pas très dur, hein. Ça c'est rapide celui-là aussi. Hein. Franchement, moins de 10 minutes, c'est easy. Et voilà, fini. Ouais, pas très difficile. Hein. J'ai encore rien eu. Magnifique. Donc pas vraiment grand-chose à dire sur ce donjon. Il est assez facile. Hein. C'est des mobs, le boss à la fin, pas très dur. Hein. Voilà. Donc voilà, c'était le donjon Lampning Sanctuary, si je me trompe pas. Ou c'est non, c'est la zone, c'est. On était au Sanctum of the Sage. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et si vous aimez Maple Story 2, n'hésitez pas à vous abonner parce que je referai encore quelques vidéos dessus. Sur les mini-jeux, sur les jeux arcade, un peu sur tout. Donc n'hésitez pas franchement. Et dites-moi dans les commentaires, laissez un commentaire si vous avez quelque chose à dire, des petites ailes, voilà. Je prends tout, il n'y a pas de souci. À bientôt.